Maddie McCann aurait fêté son 20e anniversaire le 12 mai 2023. En plein hommage à sa fillette disparue, la maman a découvert que des journalistes peu scrupuleux avaient diffusé des images de ses enfants. Elle leur a adressé une mise en garde très claire. C'est une affaire qui a marqué le monde entier. Le 3 mai 2007, alors en vacances au Portugal, un couple de Britanniques avait déclaré la disparition de leur petite fille de 4 ans, Madeleine McCann. Jamais retrouvée, la petite fille a fait l'objet d'innombrables recherches et enquêtes. Mais alors que ses proches étaient réunis pour les 16 ans de sa disparition la semaine dernière, le 3 mai, ses cadets ont été pris à partie. J'écris ce message à tous les médias. J'espère que cela éveillera la conscience de certains. Comme nous le faisons chaque année, nous avons rassemblé notre village hier soir pour marquer l'anniversaire de la disparition de notre fille Madeleine. C'était un événement très spécial et cela fait chaud au cœur de voir l'espoir et la chaleur des gens présents. J'ai été choquée, cependant, que cela offre une triste opportunité à un journaliste local d'exploiter la présence de notre plus jeune fille qui ne souhaite pas être photographiée ou interviewée. Cela l'a mise dans une position inconfortable, spécialement dans un tel moment de rassemblement pour Madeleine. Sous le choc, la mère de famille poursuit, « Notre fils et notre fille ont eu 18 ans cette année, mais j'espère que cela ne fera pas des cibles pour ce genre de journalistes qui essaient de se faire de l'argent sur leur dos. J'en appelle donc à vous pour respecter leur vie privée et pour les laisser vivre leur vie. » Un avertissement clair visant les journalistes peu scrupuleux vis-à-vis de la vie privée de ses enfants. Le 12 mai 2023, la petite Maddie aurait également fêté son 20e anniversaire. Les parents de la jeune fille ont partagé une vidéo sur YouTube. L'occasion de découvrir des clichés de famille et le visage de la fillette disparue lors de vacances familiales dans un hôtel au Portugal le 3 mai 2007. Joyeux anniversaire Maddie, nous t'aimons et nous t'attendons. Nous ne t'abandonnerons jamais, peut-on lire en préambule de cette émouvante vidéo adressée à la fillette. Bon anniversaire Madeleine. Bon anniversaire Madeleine. Toujours disparue. Tu nous manques toujours beaucoup. Nous cherchons toujours. Aussi longtemps que cela sera nécessaire, est-il écrit sur ce message publié sur les comptes officiels Facebook et consacré à la disparition de la fillette. Dans un autre registre, ce qui a fait beaucoup de mal aux parents est le fait qu'une jeune femme de 21 ans prénommée Julia et résidant en Pologne affirmait être la fille de Kate et Jerry McCann. 16 ans après la disparition de la fillette. La jeune femme était persuadée d'être Maddie et avait même créé un compte Instagram, @yamadeleinemccann, suivi par plus d'un million d'internautes. Au fil des publications, Julia tentait de prouver qu'elle est bien Maddie en dévoilant des ressemblances physiques similaires à la fillette. Tout cela s'est avéré totalement faux.